Salut tout le monde, c'est Maxu28, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Metro Last Light pour l'épisode numéro 6. Alors dans le dernier épisode on était en mode furtif, hein, on avait essayé de pas alerter les gardes, chose que je n'ai pas faite. Donc voilà, vous pouvez toujours cliquer vers là pour aller voir l'épisode. Et hop, on va continuer. J'ai pu transmettre un rapport à l'ordre via mon ancienne connaissance, Andrei le forgeron. Au moins Melnik saura que je suis vivant, que je n'ai pas terminé la mission, mais que je n'abandonne pas pour autant. Voilà. Donc poursuite acharnée, ça veut un peu dire qu'on va se faire pourchasser, et puis voilà. Hein. Ça va être un peu plus mouvementé que l'épisode dernier. T'es dans un sacré pétrin, mon vieux. Mais je peux t'aider. J'ai des amis qui ont des amis qui peuvent relayer tout ce que tu dis à tes amis de l'ordre. Alors tu dois rentrer chez toi, à police. Bon, il n'y a pas de trajet direct, tout est bloqué. Mais je crois que l'ordre a un avant-poste pas loin, à la surface. L'église dans les marais. Et c'est là-bas. Si on peut avertir tes amis, ils pourront t'y retrouver. Je peux rien faire dans sa maison. Quant à moi, j'ai une nouvelle vie. J'ai quitté Kuznetsky Most. Les Rouges ont envahi les lieux en quête de traîtres et d'espions. Ils envoient les gens dans des camps où ils les tuent. Tout ça à cause de la guerre. Les gens fuient Kuznetsky Most et toute la ligne rouge. T'as vu le train blindé que les Rouges construisent? Eh ben nous aussi, on a construit quelque chose. Avec les trucs qu'apportent les réfugiés. Tiens, regarde un peu. Waouh, ça a l'air d'être un sacré truc. Enfin, j'espère. Ce bébé, les gars lui ont même donné un nom, Katarina. Impossible de pas craquer pour elle. Elle a bien servi pour les réfugiés, mais on peut pas sauver tout le monde. Alors prends-la, on a des gens à Venise aussi. Quand tu y seras, trouve le pivert et dis-lui où tu as laissé notre bébé. Allez, monte. Ouais, ça va, ça va. Je me passais peut-être pour la miniature, je sais pas, je pense que je vais prendre Parfait. Ça. Lance le moteur. On bricole encore dessus et les commandes sont pas parfaites, mais les lumières sont nickel. Ouais, je vois ça. Inutile de se soucier des scornidés autour de toi. Et il y en a plein dans les tunnels profonds. Allez, vas-y, la route est longue. Ok. Alors, attendez, je fais une petite ellipse. Voilà, je suis revenu, donc désolé pour la petite coupure, c'était le téléphone. Allez. On peut descendre aussi. Donc là j'ai vu qu'il y avait une entrée. Peut-être qu'il y a un truc qui se cache. Bah ouais, des araignées. Hop, ouais, il y a des balles. C'est tout. Ok. C'est comme la dernière fois. Et là-dedans, non. Ah si. Hop, ouais. Quelques balles, hein, on va dire. C'est pas... Ok, bon, on va pas essayer de rester trop longtemps là, parce que ça fait un peu flipper, hein. Le mec, il... Ouais, non. Je me disais, il tient sa... son arme et tout, mais... On n'a pas vraiment besoin des mains là-dedans. Par contre, je veux bien voir. Ouais, c'est tout droit. Hein. Là, il devait y avoir quelque chose, mais c'est pas grave. On va continuer. Ouah. On va pas s'arrêter par là, hein, en tout cas. Aïe. J'ai tapé un peu. Ça va, ça a rien fait, on dirait. Un casque. Ok, allez. Ouvrez-moi la porte. Non?
Il y a pas de courant, on dirait. Oups. Oula, oula, oula. Ok, c'est rien. Je vais recharger un peu la lampe. Ok. Berk. C'est dégueulasse cet endroit. Allez. Wow. Et de court. Wow. C'est bizarre ces trucs là. Wow. Ok. Ouf. Elles ont disparu. Moi j'ai mis mon masque à gaz et tout, mais c'était pas obligé, je crois. Ok. Et voilà. Maintenant on doit tout retraverser. Je peux pas passer? Non, c'est trop petit. Vite. Allez, on sprint. Allez, vite. Non. Ne fais pas yesh. Wow. Ça fait flipper ces trucs là. Aïe. Hey. Wow. Allez, ouvrons la porte cette fois. Yes. Allez, on remonte. Hop. Dans Katarina. Oula. J'ai pas envie de foncer là-dedans. Oh là. Allez, fonce. Waouh, pourquoi il y a du rouge là, d'un coup? Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas par là qu'il faut passer. Allez, hop. Je peux pas monter dessus non plus. Hé, je suis bloqué. Je me suis bloqué tout seul là. Je peux pas pousser? Si. Ah merde, putain, il m'attaque en plus. Ok. Wow. Ah, c'est beaucoup plus facile à les tuer, hein, maintenant. Avant, on galérait vraiment. Il y a plein d'endroits, mais j'ai pas envie de descendre maintenant, en fait. Allez, vite, on arrive ou quoi? Ah oui, merde, on est à la surface. Vite, recharge. Comment il meurt, en plus. On va accélérer pour voir. Putain, mais ça prend bien là-dedans. Allez! Laissez-moi! Ah, c'est bien par là, ça va. Je sais pas trop pourquoi ils savent que je suis là. Que j'ai un silencieux, ouais, ça doit être à cause du train. Cool.
Ah, ici, il n'y en a pas qui nous suivent. Je pense qu'il faut descendre. Hop. Non, faut pas descendre. je teste. Ah, d'un coup on peut, ok. C'était bizarre, hein. Tout à l'heure j'étais au même endroit, ça a pas voulu. Ok, allez. C'est très bien. Plus beaucoup de balles non plus. Oula oula. Ouais. Aïe. ça doit faire mal. En plus, je suis en train de m'étouffer là. Le groupe de Pavel avance vers Tretiakovskaya, aussi connu sous le nom de Venise. Ils ont quelques heures d'avance sur moi et se déplacent dans des tunnels très fréquentés. Mais je les rattraperai. Je ne peux pas échouer. Ok. Wow, il me reste pas longtemps là. Il me reste 30 secondes. Enfin, 1 minute 30. Allez, vite, on rentre. Ça marche encore, j'espère. Dépêche-toi, t'as pas beaucoup d'oxygène. Ah, elle marche plus? Ah si. Allez vite, pour foncer. Je crois qu'en étant dans la voiture, ça compte pas l'oxygène. Ah. Bah c'est bien. Je sais pas pourquoi, mais... Oh merde! Oula. Qui va là? Salut. Bouge pas ou on tire. On est armé. Nous aussi. On est armé. Sur la tête de Lénine. On dirait pas le KGB, je reconnais pas l'uniforme. Ce serait pas un des nôtres? Regarde toutes ces armes. Je tire pas, mon pote. On est des civils. Il y a des femmes et des enfants ici. Pas de violence, d'accord? On est des réfugiés de la ligne rouge. Je suis le responsable, en quelque sorte. Même si j'ai personne sous mes ordres. Tous les hommes vaillants sont partis avec l'autre caravane à 500 mètres d'ici. Ils voulaient nous protéger. Mais on les a attaqués. On a entendu les tirs. Ça s'est arrêté, mais on dirait qu'ils sont tous morts. Yeah. On ne peut pas aller plus loin. Et si on fait demi-tour, c'est les tireurs qui nous guettent. On dirait que vous avez vu votre lot de combat. Vous pouvez nous aider. C'est pas pour moi, en fait, mais j'ai peur pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on peut vivre sans eux? Ils sont peut-être en vie. Ne les enterre pas encore. Ils étaient tellement forts! Il reste plus rien! Et s'ils avaient gagné? Pourquoi? Pourquoi ils viennent pas nous chercher, alors? Ils viendront peut-être. Attendons. Tu crois qu'ils les ont tous tués? Je dois continuer c'est ou... possible. Bon. C'est pire que ça. Comment? Il y avait des femmes avec eux. Yasha. Moi je me barre. Attendez. Ouais, il y a quelqu'un. Quoi ça? Encore des asticots? On les tuera plus tard. Ferme-la, sale garce! À l'aide! Arrête de pleurnicher! Personne t'aidera! Bon, mon pote, toi d'abord, t'as gagné. Je regarderai. D'accord. Ah, allez. Ah. Ok, je t'ai sauvé. T'es contente? Salut. Comment ça va là-bas? Qu'est-ce que tu fous? Tu veux pas partir? Stas, pourquoi ça traite comme ça? Il y a les autres qui arrivent. Stas! Hé, toi, le nôtre! Sors de là! Je sais que ce machin n'est pas venu tout seul! Ah, ils sont là-bas, à côté de ma voiture. Je t'ai dit de sortir! N'aggrave pas tout ça! Ok.
Ok. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Je vais essayer d'avancer. Mais pourquoi est-ce que tu mets tant de temps? On a déjà tout fini. Remue-toi un peu. Les autres sont déjà sûrement rentrés. Quoi? Ok. Ok, bon bah on va se les fighter alors. Allez, tiens. Il est pas mort. Voilà. C'est le feu qui m'a fait mal ou... Non, c'est un mec. Hop là, voilà. Il ne veut rien. Ça va péter, les gars. Oula, oula. Cet enfoiré va tout payer. Eh ouais. Hey, détachez-moi, pitié. J'en peux plus de tout ça. Vas-y, sors. Merci. Merci bien. On agit bien aujourd'hui. J'ai bien cru que j'étais foutu. Ils nous ont tous pris vivants. Enfants, femmes. Je vais boucher la draisine pour que vous passiez. Ah ouais, cool. Je prends la voiture alors. Suivez, attention au tunnel technique. J'ai entendu les bandits parler d'un piège. Ah. Ok. Hop là. J'espère que c'est pas un autre traître, lui. Comme Pavel. Aïe. Putain, t'es lent, mec. T'es très lent. Merci. Tu veux pas venir avec moi? Merci encore. Non. Je vais me reposer ici pour l'instant. Ok, fais comme tu veux. Allez, tranquille. Pourquoi il est là? C'est pourtant fastoche. Oula, oula. J'entends des mecs. Je vais aller voir. S'il y a eu une merde, préviens-moi. D'accord. C'est les toilettes ici. Une note dans les toilettes. Voilà. Hop. Avec quelque chose. Je veux bien ce masque. Ouais. Hop. Ça, je peux pas le prendre. Ah, il y a un mec là. Ok. J'ai réussi à le descendre. Sans embrouille. C'est un... C'est quoi ces bruits? Ok, il y a un autre gars là. Toi, t'es bien mort assis. Et je vais essayer de le tuer au couteau. Quoi? Allez. Voilà. Putain, ils dorment tous là-dedans. Là-bas, il y a... Là, il y a un mec. Oh, merde. Ouf, ils ont pas entendu les autres. Enfin lui. Ah merde, ils ont entendu cette fois.
Ah. Merde. C'est pas grave. Je vais allumer pour qu'on voit un peu quand même. Voilà. Hop. Ils sont là-bas. Non merci. Vite, on recharge. Il n'y a plus de batterie. Il y a un mec là-bas. On se décale. Oula, je l'ai tué vite fait lui. C'était bizarre même. Wow, wow, wow. Bien sûr. Hop, hop, hop. Merci. J'ai pas envie de me faire exploser. Ouf. Ok. Bon, je crois qu'ils sont tous morts. Je crois. A priori, oui. Hop. Pas de couteau. Ça. Le mini pack, j'en ai pas besoin. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, hein, mais j'en ai pas besoin en fait. Ok, il faudrait que j'aille chercher la voiture. Faut pas l'oublier quand même, hein, la petite Katarina. Voilà, j'y étais déjà venu. Allez, hop. Parti. Putain, à chaque fois j'entends les gens là. Par contre là j'ai vu qu'il y avait un truc. Hop là, ça c'est bien. Est-ce que je l'ai? Non, je l'avais pas. Je peux l'enlever. Alors, toi t'es mort. Ça on peut pas ouvrir. C'est quoi ce bordel? Oh merde. Il a pas entendu. Mais non! Oh, il a pas entendu! Oh, le noob! Moi aussi, je suis un noob! Oh, il est pas mort! Ouf, il a pas alerté les autres. Ça va. C'était chaud. Je sais pas s'il y en a encore. Je vais aller vérifier avant d'avancer la drésine. Je pense qu'il y en a. Ah, quoique. Bon, il y a un truc où il y a écrit danger de mort et tout. Hein, voilà, on va aller tout droit quand même. J'ai pas envie de rentrer dans un truc tout défoncé et tout. Qui va nous sûrement nous tuer. Hop, allez. Je sais pas ce qu'ils faisaient les deux là en plein milieu. Ouais, mais ok, alors j'ai dû le tourner pour aller sur... Ok, je fais n'importe quoi. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Je me disais, eh non, attends, ouais, voilà, c'est bon. J'ai bien envie d'aller voir quand même. Non, c'est sûr, il y a un truc, un piège, c'est peut-être ça. Ouais. Éprenez les enfants, pitié. Ok, de toute façon c'est fermé. Donc on va partir par le bon côté.
Voilà. Il y a un mec là. Hein. Non, c'est pas des mecs ça. Ça, ils sont morts. Hop. Voilà, qu'est-ce qui se passe par ici? C'est la festa. Ouais. Ça, c'est quoi? Ok. Alors, on va sûrement devoir passer par quelque part là. Non. Ça se casse. Non, ça se casse pas. Y a rien à faire là-dedans. Alors, vérifions où aller. C'est pas par là. Ils disent par là. Oui, mais par là, je peux faire quoi là? Wow. Ok. What? Ok. Wow. Ça m'a surpris ça. C'est bloqué là. Ouais, enfin ça m'avance pas trop. On peut rien faire là, on peut pas se coucher dans le jeu, je crois. Bizarre. Oula. D'accord. C'est assez étrange. On va essayer un autre chemin pour voir si avant il y avait un truc. Mais ouais, là ça m'indique derrière, donc c'est pas par là peut-être. Ouais, je vais retenter. Non, y a rien là. On peut vraiment pas passer par là. Là c'est super bizarre. Non, on peut pas. Par là. Ah bah ouais. Ok. Ces trous, ces putains de nosalis viennent quand même. Mais il faut qu'on puisse avoir accès à Venise. Merde, on est vraiment dans la merde, vieux. Bon, fais gaffe, je vais aller voir les gars. Ouais, d'accord. Il va venir vers moi. Ouais, lui, ouais. Non, ça va. Tous armés et avec des lumières. Moi, il y a mon chat là. Est-ce que je peux faire le tour pour le tuer de derrière? Exactement. Hop. Hop, voilà. Alors je l'allume. T'es mieux comme ça. Et je les vois assis là, la bouche ouverte, avec ce truc noir qui sortait de leur corps. Turca s'est mis à crier et m'a arraché le briquet des mains. Alors je suis retourné aux stations en courant. Et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Putain, c'est dingue! Hé, hey, t'as entendu parler du maître du tunnel? Ouais, c'est moi. Bah, tu sais, dans les terminus de toutes les lignes. Là où finissent les tunnels et que les gars font du feu, boivent et jouent aux cartes. Eh bah, parfois, l'un de ces gars se lève et s'enfonce dans un tunnel. Il y a mon chat qui fait n'importe quoi là. Si tu demandes au gars où il va, il répond. Oula, ils ont torturé un mec. Alors vous entendez peut-être mon chat, c'est marrant. Oula là. Oula. Non, c'est toi qui vas crever. Ok, et hey, oh oh. Tu te calmes, tu calmes. Je bouge ma moustiquaire et tout, alors... Où ils sont partis, les gosses? Faut vite que je finisse.
Ah mais ok, c'est l'endroit ouais, où j'arrive. D'où je viens. J'espère qu'ils sont partis par là. ça, est-ce que ça a changé quelque chose? Ok. On dirait pas. Bon. L'épisode va être trop long si je continue. J'essaierai de chercher et dès que je trouverai, on commencera par ça dans le prochain épisode alors. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez un j'aime et un commentaire et moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut! Alors juste après je relance pas ma caméra en même temps, mais j'ai trouvé une note en cherchant, donc si vous voulez la lire, ben voilà. Allez.